Salut tout le monde, c'est Kourt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Final Fantasy XV. J'espère que vous allez bien, avoir stérilité après avoir fait un dédale. Oui, c'était ça, un dédale et quelques contrats de chasse, un ou deux, je sais plus. Non, deux ou trois, non, deux, je sais plus. On avait fait deux, je crois. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer aux Tomberry là qui sont ici, voilà, qui sont là-bas. Donc, on va s'y rendre tout de suite. On est de nuit donc normalement ça devrait aller. Enfin j'espère qu'ils considèrent qu'on est de nuit en fait. Je sais pas à quel moment ils considèrent qu'on est de nuit en fait. Genre parce que des fois... Oula attends je vais me prendre le... Non, c'est bon. Parce que d'habitude quand il y a la lune ça veut dire qu'il fait nuit. On va couper ça. Quand il fait nuit. Quand il y a la lune là comme ça veut dire qu'il fait nuit. Sauf que l'autre fois il m'a dit qu'il faisait pas nuit. Donc je sais pas comment ça fonctionne au final. Alors je vais me placer là-bas. Hop. Du coup je sais pas s'il considère que là il fait nuit et voilà quoi. Parce que l'autre fois il y avait la lune et il faisait pas nuit. Enfin il était 4 h. Enfin bon, on va avancer un petit peu plus. Bon je vais devenir un spécialiste pour l'atterrissage. Hein. C'est pas parce qu'il y a des arbres autour que ça va m'arrêter. Ah par contre là ça tourne. C'est bon. Garde-toi. Il n'y a pas gros bruit. Bon, spécialiste de l'atterrissage, mais je me mange les murs après quand même. Mais genre, je me crache pas. C'est le principal. C'est le principal, ne pas se cracher. Alors, du coup, on est parti. Alors d'ailleurs, la tenue de Prompto, je crois que c'est pas la meilleure qu'il a, mais c'est la plus stylée. Donc, bah les steaks. Alors, donc j'ai pris la oricalque. Les oricalques plutôt. Parce qu'apparemment c'est ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a persécution, gâchette facile, éradication. Ok. On devrait s'en sortir. C'est level combien? Level 75, ça se négocie. Franchement, je pense qu'on peut le faire. Après, ça va pas être simple. Non, mais attends, quelle viande il veut couper avec son couteau? La tienne, à mon avis. Ok. Alors, on va. Voilà. Alors, ça va être dur. On va essayer d'y aller prudemment. Ils disent d'y aller prudemment, mais bon. quand t'as un tomberry qui te court après. T'es en mode. Ok. Voilà. Ça va être compliqué cette connerie. Hop, super élixir. Ce que je propose, c'est qu'on. C'est qu'on invoque quelque chose. Oh Léviathan, mon gars. J'aime pas qu'il y avait de la flotte à côté. En même temps, on est de nuit. Oh, nice. Comme ça on aura pu au moins l'invoquer au moins une fois. Tsunami. Sachant qu'il y a deux attaques, donc si on pouvait l'invoquer deux fois, ce serait cool. Pour voir les deux attaques. Nice. On lui a enlevé pas mal de vie. C'était moins spectaculaire que... Oh putain! Que ce que je pensais, mais c'était stylé quand même. Enfin, ils sont vachement synchro. Ils sont vachement synchro en plus. Il m'a dit que je pouvais taper normalement. Que je pouvais taper juste après une attaque. Juste après une parade. Oh, attendez. Ça suffit, connerie. Voilà, on va le défoncer. Normalement, je peux pas mourir donc. On essaye d'en tuer un, au moins un, ça serait cool. Et ils sont vachement speed. Ils sont vachement speed ces enfoirés. Nice, j'ai réussi à faire le combo fantôme. Ok, par contre, je vais claquer. Oh. Putain, mais ça enchaîne les combos de ouf. Ça durait super longtemps. Normalement, j'étais censé me concentrer sur un, mais avec le tsunami, ça les a un peu tous défoncés. Je vais toucher un, au moins. J'ai entendu le bruit de l'attaque. Et Hop, raté. Et ouais, j'étais censé me concentrer sur un, mais pour le coup, avec l'attaque de Léviathan, ça les a mis tous les deux 1000 life là. De toute façon, merde. J'ai l'habitude d'être. Merde, putain, j'ai vraiment du mal à parer. J'ai l'habitude de toujours mettre tous les ennemis 1000 life et de les tuer après. Non, mais putain, mais pourquoi tu changes de. Ça pareil, ils changent tout le temps. Hop. De. Putain, mais t'es sérieux, t'enchaînes aussi.
Noctis a l'habitude de toujours changer de cible après un combo ou je sais pas, je comprends pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Alors, par contre, faut que tout le monde soit en vie dès que je les aurai tués pour, parce que l'XP va être devrait être cool. Je pense qu'on va avoir pas mal d'XP. Hop. Une petite potion pour le petit Prompto. C'est bon. Hop. Et on va enchaîner avec. Alors, lequel est l'os? Oui. On va enchaîner avec une persécution. Et normalement, on devrait quasiment le finir, sauf s'il se barre. Ah, peut-être pas. Ouais, non, en fait, non. Il va lui rester que dalle. Il lui reste que dalle. Aïe, putain, ils font super mal, putain. Non! Annule! Putain. Merde, je suis méga phoenix. Bon, bah on est tous en vie. Hop, parade. Parade encore. Mais genre, tu peux te calmer? Parade, encore. Parade encore, non? Non, mais arrête de changer de cible. Tu sais très bien qu'il faut pas changer de cible, Noctis. Sinon, tu te fais enlever la gorge. Oh putain. Hop. Pas le temps de niaiser, wesh. Parade. Elle est quasiment mort là. Parade. Oh, je m'en fous. Lui là. Lui est. Putain. Je me suis pas avec je vais utiliser sur, ces... sur ce putain de combat. L'éradication. Boum. Tu vas faire quoi? Ok, il y en a en moins. En plus, j'ai fait une lésion sur l'autre là. Hop. Et plus qu'un et on n'en parle plus. Donc, heureusement qu'il y avait il y a Léviathan qui est venu nous aider, hein, franchement, parce que pour le coup, je pense qu'on en aurait pris plein la gueule. Aïe. Ah, j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Parade. Ok, je commence enfin à prendre à peu près leur, leur schéma d'attaque. À la fin. Ah, c'est bon, il est mort. L'objet que Randolph nous a demandé. Super. Je crois bien que c'est ça. Magnifique. Niveau XP, putain. On s'est fait plaisir. Alors, attendez. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce donjon-là, je crois que... Attends, c'est celui qui a été pillé. Oui, il a été pillé. Si j'y retourne... Ah non, il... si, si, il a été pillé. Si j'y retourne... Alors que j'ai... Ouais, non, bah non. J'ai si j'y retourne, en fait, avec, le... Je crois que c'était la scie. Ça commence à être un peu long. Si on y retourne avec la, l'espèce de scie là, ça pouvait pas déclencher une petite cinématique ou je sais pas quoi. Bon, c'est dommage. Ok, talisman c'est cool, on s'en fout un peu mais c'est cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contrat de chasse qui est à côté. Ok, juste là, il y a combien de kilomètres? Ça c'est pas très loin. Je vais quand même faire une liste parce que le temps d'y aller. Même à d'autres chocobos, ça va prendre un peu de temps. Enfin, mais... Je vais une petite idée, je vous retrouve pour faire le contrat de chasse et après je pense qu'on retournera à l'Estaloum pour... Pour valider la quête de Randolph et le contrat de chasse. Donc à tout de suite. Ok, on est arrivé. Et je viens de capter, putain, c'est des nécromanciens. On va s'en prendre plein la gueule. Je déteste les nécromanciens. Ah, et forcément, c'est là-dedans. L'endroit qui dit, là-bas, il y a des nécromanciens, c'est sûr. Alors tu veux juste me refiler mes, mes dagues de Nyx. Hop, voilà, voilà. Alors bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes level combien? Bon, c'est des classiques, ça devrait aller. Par contre ils sont deux du coup, forcément je vais me prendre des triangles dans la gueule et ça va pétrifier. Ah non ils sont trois putain. Ils sont sérieux? Bah attends, on va déjà en buter un. Oui génial comme tu dis. Je peux bouger? Ah, Pagladio est mort, génial. Tac tac tac, queue de phénix. Queue de phénix. Tac, j'ai pas beaucoup de queue de phénix par contre. C'est bon, je peux bouger. Hop, allez, c'est parti. On en tue au moins un avec les armes fantômes. Ça sera déjà ça en moins à gérer. J'espère qu'on en tue un. Ok, combo fantôme. J'avais peur de pas réussir. Ok, on a failli en tuer deux. Oh! Ah non, 100 points d'XP. Ah putain. Je croyais que j'avais eu 100 points de compétences. J'étais en mode what the fuck. Trop bien. Ok, d'ailleurs attendez. Compétences.
Est-ce que j'ai pas... Non, j'allais dire, peut-être que le fait d'avoir fait un dédale... Ah oui, ça a un peu un rapport avec les armes fantômes, puisque parfois, il y en a dans les dons... Il y a un dédale dans les temples où il y a des... Enfin, dans les temples où il y a les armes fantômes, des fois, il y a des dédales. Donc je me suis dit, peut-être que mais ça avait un lien. Donc si je faisais un dédale, j'allais avoir une nouvelle compétence, mais pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Hop, une petite éradication des familles. Je crois qu'il il en reste qu'un. On s'est mis très bien avec les armes fantômes, pour le coup. Je crois qu'il m'a attrapé, non c'est bon. Il m'a pas attrapé ce petit enfoiré. Attaque de dos, on adore ça. Hop, elle est quasiment mort. C'est bon. Et hop, 3 nécromanciens en moins, 3. Putain, on a tellement mis de points d'XP avec les Tomberry. D'ailleurs, le prochain sera level 85, conseillé. On est que level 72, c'est un peu plus délicat. Entrez où? Dans notre chambre d'hôtel. Dans tes rêves, oui. Mais quoi dans mes rêves? Moi, je redors à la bête Galdina, moi je veux de l'XP, hein. T'es fou. Ouais, je vous fais une petite idée, je vous retrouve à l'Estaloum du coup pour Randolph et le contrat de chasse, à tout de suite. Ok, on va valider notre petit contrat de chasse. Hop, nécromancien. En plus, ça ressemble pas à nécromancien, ça. Bon, c'est un petit peu quand même, mais faut faire gaffe, quoi. J'ai quoi? Bouclier de je sais pas quoi. Ouh, c'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qui t'est resté? T'es resté 3-4, toi, je crois. 3-4, oui. Ah bah, il y a celui-là que je peux faire, si vous voulez. Je vais en prendre plein la gueule. Nuit, tout à l'heure, nuit. Bon, allez, hop, on va faire celui-là. On va essayer de faire au moins ces trois-là. Le général de la mort, on va se calmer. Je le sens pas trop, celui-là. On verra bien. Soyez prudent. Mais ouais, 99, c'est chaud quand même. J'ai combien de PC? 65 PC. De toute façon, dès qu'on peut, on augmente... On augmente nos... C'est ça, hein? Non. Caractéristiques. On augmente ces trucs-là, là. Bon, celui-là, c'est un peu plus compliqué, mais genre... celui-là aussi, genre... Ces trois-là, là, faudrait les augmenter rapidement, comme ça, on aura plein de points de vie, plein de machins, plein de bidules. Du coup, on va aller voir Randolph qui nous a filé un bouclier plutôt intéressant. Attendez. Du coup, j'ai eu un bouclier ou un... Ah oui, non. Une boucle runique. Ok. Il y a des boucles de haie armées... Ornée de runes anciennes, elle augmente grandement la magie. Elle augmente la magie, un bracelet, or. Ok, bon. On n'a pas des trucs de ouf. Nous n'avons pas des trucs de ouf. Alors, Randolph, file-moi mon bouclier, c'est le top play. À présent, il est temps de réveiller la légende. Vous pouvez la prendre. Bah, le prendre, techniquement, c'est un bouclier. Même si c'est une légende, c'est un bouclier quand même. Oh là, Randolph, tant de poésie. Ziedric. Ok, on va enclencher l'autre. Continue de s'écrire. Voici ce dont j'aurais besoin. Oh, pour ok, le ok. Suivant. Putain, on peut pas passer, genre. Il dit tout le temps la même chose. À part le dernier, il dira autre chose, je pense. Mais là, il arrête pas de dire la même chose. Ok, alors, quête. C'est ici. Et c'est quoi les ennemis? Qu'est-ce que c'est les ennemis? Un Falari. C'est écrit quoi que c'est un Falari? Ah oui, c'est écrit. Venez à bout du brutal Falari et récupérez l'objet demandé par l'incident. Ok. 85, on va se calmer. Hein, on va pas le faire tout de suite. Je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule si on le fait tout de suite. Nous, on va faire ça plutôt. Du coup, équipement. Gladio. Mon petit Gladio. Oh, bah oui. Ça, c'est le bouclier. Plusieurs couches d'alliage renforcé recouvrent ce bouclier lourd qui augmente momentanément l'attaque après une défense précise réussite. Et boum! Bon, du coup, on le voit pas le bouclier parce que je l'ai pas équipé. Attendez, je crois que je peux voir en plus les armes. Si je fais. Voilà, comparer. Il a de la gueule. Attends, si je compare avec un autre. Ouais, il a de la gueule. Ah, celui que j'avais aussi était pas mal aussi, je trouve. Bref, c'est pas grave. On va mettre le Ziedric, c'est quand même la meilleure arme.
prends le meilleur bouclier. Et du coup, je fais une petite ellipse, ce temps d'aller tout là-bas. Je retrouve, je retrouve pour faire le contrat de chasse. Je le casse tout de suite. Ok, cette fois-ci, normalement, on est de nuit, donc ils sont censés spawn. Voilà. Bonjour les gros monstres qui m'ont l'air très puissants pour le coup. Un peu plus puissant qu'on a d'habitude. On leur fait quand même pas mal, attends, pas mal de dégâts. Allez, on va utiliser plus les armes à deux mains, je pense. Ah non, Magladio devait taper avec son bouclier, je pense. C'est pour ça que ça faisait des dégâts. Enfin, ça avait l'air de faire des dégâts. Hop, un petit... Ah, j'aurais peut-être dû attendre pour faire une éradication. Je pense que ça aurait été plus efficace. Faire ce qu'on peut, hein. De toute façon, on fait des dégâts quand même à ceux qui sont à côté quand on fait ça. Donc c'est plutôt cool. Ok. Toi, quasiment mort. Bon, Gladio, tu vas réanimer, s'il te plaît. What? Putain, il y a eu un rayon laser, je sais pas quoi, là. C'est ton rôle de me relever, normalement. Oh là là, ils sont tous en train de crever. Oh là là, on va se calmer les monstres là. Méga Phoenix, allez hop. Voilà, tout ce que vous avez fait, ça n'a servi à rien. Bon, on prend tarif, putain. Mais non, j'aurais dû utiliser un méga elixir, je suis con moi. Bon, j'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Aïe. Ok, cette fois on va attendre pour utiliser une éradication. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Quoique, pas sûr en fait. Mais on va quand même faire une éradication. Allez, éradication, Gladio, tu me fais un bon carnage là. Et boum. Allez hop, ça fait bien mal comme il faut là. Vous aimez pas les dagues? Mais y a pas de problème. Les lances? Mais y a pas de problème. Les lances, ouais c'est ça, les lances et les boucliers du coup. Hop, aïe. En plus c'est la lance du Kraken là. Oui bah oui, ça va vous faire très très mal du coup. Que vous aimez pas la foudre. Donc c'est nickel. C'est quand même bien vif et bien puissant hein, pour le coup. Je m'attendais pas à me taper ça pour un level 50 combien. C'était combien? 57. Je pensais pas me prendre un truc comme ça. Bon, tu me diras, je suis pas loin du level 57 en fait hein. J'ai genre je suis level 60. Je suis level combien? Attendez. Je suis level 72. Ouais, je suis même pas une vingtaine d'écart. Putain, mais il m'envoie des trucs, des espèces de lasers chelous là. Vas-y, crève s'il te plaît. Voilà, merci. Au suivant. Et voilà, bon, c'est bon. Il y a encore plein d'XP, ça c'est cool. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Ça c'est bien cool, ok. Bon, du coup, encore une ellipse. Je vais retourner à l'Estaloum et on va faire les deux suivantes. Donc, à tout de suite. On y va. Ok, on est arrivé. On enchaîne du coup. Je sais plus. Elle était bien la récompense, non? 12 000? Content de vous voir sain et sauf. Je crois que c'était 12 000. Ah non, 16 000! Et une sphère de sûreté, ok. On commence à avoir plein de guilds. On va arriver au jeu de tour, mini jeu de tour monstro. On va acheter tous les jetons qu'il nous faut. On va même plus avoir besoin d'y jouer. juste pour savoir les infos, t'aurais pas une nouvelle info? Pas vraiment, non. Bref, contrat de chasse. Bon, bah on enchaîne. Hein. En plus, forcément, c'est que des monstres. Oula, ça sent le serpent, ça. Forcément, c'est que des monstres qui sont en point d'interrogation. Du coup, tu supposes que c'est des bons gros monstres, sa mère. Non, mais sérieux, je reviens d'ici à 2 secondes. C'est pas grave. Enfin, c'était pas ce cratère-là, c'était ce cratère-là. Mais bon, c'est pareil. Bref, je fais une ellipse, je retrouve là-bas, du coup, à tout de suite. Ok, on est parti. Oh putain, non. C'est le gros serpent qui a... Non, c'est pas là. Ici, là? Mais en deux fois. On va s'amuser. On va bien s'amuser. Bon, bah c'est parti. Hein. Hop, direct, de toute façon, on va pas perdre de temps. On va faire ça pour en mettre... Ah non, on en mettra pas un seul KO, mais on va lui faire bien mal, en tout cas. Alors, dès qu'on arrive à un quart, on... Vas-y, fais le combo! Merci. Vas-y. Non, il s'est barré. Ah, et Ignis est en danger au passage. Ok, on en a mis un demi de life. C'est pas terrible. Hein. Ouais, on va faire. Hop. Elixir sur
Ignis. Bon, il va aller où? Et on va faire... Ignis, persécution. Bon, c'est cool, il s'est éloigné de l'autre, l'autre serpent, donc on va pouvoir le bourriner un peu tranquillement pour le moment. Tant que l'autre il vient pas, on va pouvoir le bourriner. J'ai bien dit tant que l'autre il vient pas. Sauf que dans deux secondes il est à côté de nous et il va nous... Non, Noctis, arrête de changer de cible. S'il te plaît. Ok, Mégalixir, hop hop hop. Ouais, il est déjà là. Il est déjà là. Génial. Putain, un seul on galère. Merde. Un seul on arrive, enfin on arrive pas à le buter avec un truc fantôme. Ils veulent qu'on en tue deux, ces bâtards. Bon, la récompense est cool quand même. La récompense est quand même cool. Hop, puis on enchaîne bien pour le moment. Il a un peu toutes les faiblesses en fait. J'ai l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui tape, il prend des dégâts de... Non, 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 j'ai fait de la merde. Allez, prends-toi, viens ici. Que je te sauve. D'accord, bah, sauve-moi. Je vais essayer de me sauver moi déjà. La petite potion. Hop. Tac. Je savais que tu me laisserais pas tomber. Oula. Tu pensais que tu serais plus utile. Ignis, t'es ici. Ok, on est reparti. Hop, surtout que si je les relève, je crois qu'ils sont plus forts. Hein, pour un moment. Regarde ce que tu fais. J'ai pareil, c'est bon. Hop. Ça, il a pas l'air d'aimer. Les dagues de Nyx, c'est ce qu'ils aiment pas. Je sais pas pourquoi je me fais chier, j'ai l'anneau du Lucie. Il est mouche. Il y a un autre... J'ai l'anneau du 6, pourquoi je me fais chier? Allez, tuer! Alors, ah oui, je crois que je vous avais pas parlé. Comme le dernier donjon, bah du coup c'est un peu de la merde. C'était un peu de la merde, du coup, comme le boss, je l'ai totalement défoncé grâce à l'anneau du 6. Ce que je propose, c'est que... Hop. C'est qu'on essaye de le... Et, oh, arrêtez de m'entourer comme ça, je vous ai rien fait. Parade. Ah oui, c'est vrai qu'on monte là. Hop, contre-attaque. Oh, boum! J'ai oublié qu'on faisait du feu. Ok, ça c'est fait. Et d'un. Au suivant. Ce que je propose, parce que c'est complètement pété de faire ça. Alors, je dis pas que j'utiliserai plus l'anneau du Lucie. Hein. Je m'en servirai pour dans les autres dédales. Mais pour le boss, on essaiera de se le faire sans l'anneau en fait. Putain, mais dégage! Je vais peut-être faire une liste pour la faire têche la mouche parce qu'elle met. Fait un petit peu chier, mais du coup je pense qu'on essaiera de le faire déjà au moins une fois sans l'anneau. Par contre, si je vois que je me fais défoncer la gueule ou merde, si je me vois que je me fais défoncer la gueule ou si le boss est beaucoup trop long à tuer, je lui enlève la moitié de sa vie et hop, j'utilise l'anneau, comme ça on n'en parle plus. Et sachant que l'anneau ne marchera peut-être pas forcément à chaque fois. Ça c'est une supposition de ma part, mais je pense que je pourrais pas l'utiliser sur certains boss parce que ça serait vraiment trop pété quoi. Genre déjà Ardyn, j'ai pas essayé, mais Ardyn je pense pas qu'on puisse, c'est un exemple hein, mais je pense pas que Ardyn on puisse l'envoyer dans le monde chelou là. Hop, Mega Phoenix, non Mega Elixir plutôt. Allez, what? Noctis, merci. Non, dis pas un deuxième s'il te plaît non plus. Sois pas con. Non, ça sert à rien de parer. Enfin, tu me diras, je crois que si je pars, je fais beaucoup plus de dégâts après. Hein. On va dire que ça ne sert à rien. Allez, un petit combo, s'il te plaît. Pourquoi tu me le fais pas? Des fois il me le fait pas, je comprends pas, j'en ai marre, ça marche pas à chaque fois. Il y a bien qui sait, j'ai pas le temps de lire et j'ai pas entendu. Enfin, ils déconne vraiment pas les monstres en ce moment. Ils sont vraiment bien, bien résistants, bien forts. Esquive. Oh putain. Potion. Si quelqu'un peut une Ignis si possible. Non. Ouais, d'accord, ils s'en battent les steaks. Bah ça vaut de le faire, j'étais mort moi déjà. Enfin j'étais en état de danger. Reviens ici. Le combat a mis tellement de temps qu'il fait jour maintenant. Non, c'est hors de question. Il est quasiment mort. Ouais. Attention, son poison. Son poison, j'ai pas compris. Il pleut du poison, génial. Ah non, mais c'est le sol qui est tout niqué, je crois. Reviens là, toi. Putain, j'ai trop peur qu'il s'enfuit en fait. Hop,
une petite persécution, ça va pas voilà, ça va pas tarder à être level supérieur, je pense, mais je crois que c'est même level 8 là, attendez. J'ai pas compté, mais non, 7. Okay. C'est bientôt à fond. C'est bientôt à fond et tu es mort. Qui va craquer en premier? Note, au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Et voilà. Nickel. Impeccable. Nickel, nickel. Alors, ils sont là. Attendez, voyons ce qui sort. Un robot. Ouais, mais c'est un robot de merde, ça. Level combien? Level combien, le petit? Ah, ah oui. Ah, d'accord. Bonjour. Vous savez qui c'est? C'est le fameux robot qui est super fort. Pente, regardez, c'est déjà si je lui attaque à la tête, il va m'enculer. Oh là là, oh non, mais c'est bon. Je propose la fuite. Parce que je ne peux même pas. Putain, mais on lui fait un point de dégâts quoi, c'est abusé. Je suis dégoûté d'être tombé dessus. Parce qu'il est vachement rare. Mais ouais, on va le. Quoique, attendez. Est-ce qu'on peut essayer de négocier avec. Ceci. You, Cerber. Est-ce qu'on peut essayer de négocier avec ça? Franchement, je pense pas. Non, non, venez pas avec moi, sinon je vais pas pouvoir faire de la merde. Je vais pas pouvoir le liquider et avoir. Enfin voilà quoi. Je vais pouvoir le défoncer à distance si vous venez. Au pire, attendez, vas-y, prompto. Fais-nous une petite gâchette facile. Au pire, je vais faire une ellipse. Parce que le combat va durer 100 ans si je le finis. Je vais faire une petite île, je vais essayer de le tuer à distance avec le Cerber, même si ça risque d'être compliqué même comme ça. Mais en gros, si je peux le tuer comme ça, si je peux le tuer là, franchement, je me mets bien parce que l'équipement qu'il va me donner, même s'il me donne l'équipement, parce qu'il peut me donner deux types d'équipement, un bien et un super bien. Si, même s'il me donne celui qui est bien, ça serait cool. Ouais, je vais vous faire une petite île, je vais voir si j'y arrive. Si vraiment c'est trop long et ça me fait chier, j'arrête. Mais bon, si je peux le faire, je le ferai. Bon bah, je vous dis à tout de suite. Bon bah, les gens, j'ai abandonné. Avec le Cerber, c'était impossible pour le coup. J'ai vraiment pas le level. Je sais même pas si j'ai l'équipement adéquat. Les armes, je les ai parce que c'est. Faut y aller à coups d'armes fantômes. Mais il manque trop d'équipements, d'atouts, etc. pour pouvoir l'affronter en toute tranquillité. Et même, faut que je sois à level 99 pour le niquer. Enfin, pas forcément 99, mais faut que j'ai un haut level, sinon je me fais défoncer à la tronche. Mais voilà, j'aimerais bien au moins. Enfin, je vous ai dit l'autre fois que je voulais pas. Enfin, même si on le faisait pas, c'était pas grave. Mais si on pouvait le tuer au moins une fois, ça pourrait être cool parce que le loot qu'il nous donne est pas mal. Même si c'est pas le 5% de loot. Mais si, parce qu'il y a 5% de chance qu'il me loot le meilleur équipement du jeu. Mais si, même s'il me loot l'autre, ce sera plutôt cool. Mais ouais, j'étais pas en condition de le faire parce que pour le faire sans galérer, parce que je pourrais bourriner comme ça pendant une heure, mais j'ai pas l'envie, j'ai pas la foi parce qu'il arrêtait pas de me buter. J'ai déjà utilisé une dizaine de potions en 2 secondes, enfin pas une dizaine de potions, mais je me prenais un coup, j'utilisais une potion parce que j'étais mort quoi, enfin j'étais en danger. Du coup, bah ça me paraît un peu compliqué pour le moment. J'aimerais bien le faire au moins une fois, juste une fois, mais j'irai pas chercher son méga loot là parce que sinon ça va mettre 100 ans. Et en plus de ça, il est rare à apparaître. Il a des points de spawn, bah il en a, enfin j'en connais deux, pas maintenant trois du coup, mais genre c'est pas forcément lui. Il y a une chance sur je sais pas combien qu'il apparaisse. Du coup, bah, faut recharger ta partie comme ça. Et les temps de chargement dans FF15 sont super longs, donc c'est pour ça que je vais pas aller chercher le méga équipement. Juste, j'essaie de le tuer au moins une fois, histoire d'avoir le mérite de l'avoir fait. Vraiment, je le fais qu'une fois. Quoi. Les habitants. C'est Noct qui décide. Parce que j'ai vraiment pas la foi. Pour le coup, enfin, de toute façon, je le considère pas comme le 100%. C'est ni un contrat de chasse, ni un. C'est peut-être un contrat de chasse, ça se trouve. Mais c'est pas.
Dans les priorités, c'est pas, enfin, c'est pas une demi-priorité. Les contrats de chasse, les poissons, les recettes, les dédales et les quêtes secondaires, genre Randolph, etc. Pour moi, ça, c'est le 100%. Après, aller chercher tous les équipements du jeu, toutes les armes du jeu, tous les trésors, tous les machins, non. J'ai déjà récupéré un peu, quasiment tous les objets du jeu, dans juste la map comme ça, enfin, j'ai bien dit quasiment. Parce qu'il y a les objets qu'on voit pas sur que j'ai pas sur mon guide, que j'ai uniquement sur la méga carte. Mais c'est des items un peu pourris, quoi. Enfin, c'est pas très, très intéressant, enfin bon. Bienvenue chez nous. J'aimerais bien, pour le 100%, j'aimerais bien au moins faire tout ce que je vous ai dit là, les recettes, les poissons, les contrats de chasse et les dédales. Même si les poissons et les contrats de chasse, les poissons et les recettes, je le ferai hors caméra, je pense. Voilà, j'aimerais bien au moins les faire de mon côté, etc. Et éventuellement le faire avant l'épisode final, quand même. Ça pourrait être cool. Enfin bon, on arrive au dernier contrat de chasse de cet endroit qu'on fera pour le moment, parce que l'autre il est beaucoup trop dur. Il est clairement beaucoup trop dur. Oui, attendre la tombée de la nuit. Si je le fais, il va me défoncer de toute façon. C'est comme l'autre robot là. Soyez prudent. Alors. Putain, il est où encore? Putain, mais. C'est une blague! Pourquoi on peut pas prendre plusieurs contrats de chasse en même temps? On pourrait faire prendre tous les contrats de chasse qu'on veut en même temps. Ça ira tellement plus vite. Parce que là, du coup, on fait tellement d'allers-retours. C'est tellement chiant. J'ai combien de points d'XP? Oh, 84 000! X 2, ça nous fait quasiment 170 000. Non, attends, merde. Oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, parce que oui, parce que je pensais que j'avais 800 000 en fait, mais non, pas du tout. J'ai 84 000, donc x 2, ça fait 16 000. 168 000, machin, patit, patit. Bref, je fais une petite ellipse sur le temps du chargement et tout le bazar, et je vous retrouve après, à tout de suite. Ok, on est parti pour affronter ce qui va spawn, parce que je le vois pas là. Je le vois pas à cause de la flotte, ou alors ça a pas spawn, ou je sais pas. Attendez. Ah, il y avait longtemps. Ok, on va s'en prendre plein la gueule encore. Je sais pas si vous vous en souvenez, on en avait affronté un avant la fin du jeu. C'est bon. Oh, ça va, on lui fait assez de dégâts quand même. Il fait pas mal de dégâts. Par contre, lui aussi, il nous en fait beaucoup. Ça. Ouh, j'ai failli me prendre ça. Ça, c'est le pire truc à se prendre là. Ça fait super mal. Hop. Gladio, tu peux réanimer tout le monde? Pardon. Oh, j'avais réussi à parler un truc de ouf là. Genre, je voulais juste rouler de base. Ignis, je sais pas où t'es. Je suis désolé. Ah, mais en plus, j'ai besoin de lui. Ah, merde. T'es où? T'es tout là-bas. J'arrive. Ah non, c'est pas Ignis. Attends. Oh là, je suis perdu. Bon, Pronto maintenant. Mais non, mais Ignis. Bon, fuck you. Hop, allez, persécution. On le défonce. Allez, Ignis. Crève pas. Putain, le... Non mais, what? Mais non, c'est du bullshit, ça. Ça se fait pas. Je suis pas d'accord. Putain, il s'est retourné le con, du coup ça fait une attaque dans le dos. C'est du bullshit, je ne suis pas d'accord. Oui. Alors, attends. On va faire un coup de persécution, mais cette fois... Mais non, mais Ignis, arrête de crever, s'il te plaît. Ouais, cette fois... Crevez pas, s'il vous plaît. J'attends que je fasse ma persécution. Persécution, s'il te plaît, Ignis. Voilà. Là, on va pouvoir le défoncer. Allez, hop 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 hop, on le défonce. Alors, on le met mid life quasiment. Non, un peu plus même. Et maintenant, on enchaîne sur ça. Pour te mettre bien dans le mal. Allez, je pense qu'on peut peut-être se le finir. Ah non, ça me paraît compliqué. Comme mon fantôme. Pourquoi il se déclenche pas à chaque fois? J'en ai marre, ça me pète le cul. Je suis un peu bourrin hein, par contre avec les méga phoenix et tout là. Les méga elixirs. Mais bon. C'est bien grave. Ouais, là on va le finir je pense. Il y a quasiment plus de briques, plus de vie. Nickel. Nickel Chrome. Et hop, encore plein d'XP. C'est la joie.
Hop. Alors, je veux juste choper magnifique. Le trésor là. Wouhouhou, on est vivant. Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça. Merci. Je pouvais même pas monter quoi. Hop, capteur laser. Ok, génial, tout ça pour un capteur laser. Du coup, je suis à combien pour Ignis? On en est où? 25%, d'accord. Prompto 45 et Gladio 46. Ok, on est plutôt pas mal. Et compétences 71, ok. On a combien de temps de jeu? Ouh, bientôt 104 heures. Bref, je vous refais une ellipse. Du coup, on se retrouve à l'Estaloum pour valider notre contrat de chasse. Et on va activer ceux qui sont dans le fond, là, à côté des restaurants. Donc je vous dis à tout... Enfin, des restaurants, des marchands plutôt. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, nous sommes arrivés du coup au deuxième restaurant. Sachant que il y a un troisième restaurant ici, mais lui il donne pas de contrat de chasse. Je vous le dis parce que je m'étais fait avoir une fois. Enfin, je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr pour le coup, mais il me semble qu'il n'y a pas de contrat de chasse pour lui. Faudra qu'on vérifie quand même. Hop, emblème des ténèbres, 33 000 guilds. On se met super bien. Alors toi, il me semble qu'ils sont pas trop compliqués. Genre level 30, des trucs comme ça. Je sais plus en fait. Ouais, c'est ça, 24, 31, ouais, ça va, ceux-là, ils sont tranquilles. Toute heure, jour, toute heure, nuit. Bon, on va faire dans l'ordre. Hein. On va faire dans l'ordre. Hop, revanche du pêcheur, donc on en a 2, 4, 5. Je pense qu'on fera les 5 et après on s'arrêtera là pour cet épisode. Je pense qu'on en a fait pas mal des contrats de chasse. Quoique, pas tant que ça, mais on en a fait quelques-uns quand même. Enfin, je vous fais une petite ellipse. Putain, c'est loin. Oh la vache. Ouais, bon bah, je vous fais une petite idée, je vous retrouve au combat, et après, bon, on enchaîne, hein. Donc à tout de suite. Ok, on se retrouve du coup pour faire les sawagins, comme vous voulez, albinos. Hop, donc on va défoncer, je pense. Oui, bah oui, on leur fait très très mal. On va faire très très mal sans que ce soit leur faiblesse. Donc à mon avis, ils vont pas faire long feu, les pauvres. Hop, et si je les pars, oh là là, j'en reste aucune chance. Enfin, les trucs sont level 24. Ça fait bizarre de se retaper des petits monstres comme ça. Bon, ils sont résistants quand même. Plus que ce que je pensais. Mais bon, ils ne font pas long feu quand même. Ils ne font pas long feu. Ça va le finir, je suis sûr. Et oui. Et voilà. Les doigts dans le nez. Allez, l'ennemi est au bout du rouleau. Ah, il est mort là. Ils sont morts là, c'est bon, stop. Stop. Le mec s'acharne. Bref, bah du coup, bah ça c'est fait. Je vous retourne à l'Estaloum. Je vous dis à tout de suite. Ok, on est arrivé. On va parler au petit monsieur. Encore vous? Bah, ça te dérange? Le mec il m'agresse quoi. Encore vous? Après, très beau travail, bah ouais, c'est ça. Ah, j'étais à l'œil, toi. Alors, du coup, on enchaîne avec les qu'est-ce que ça va être? Plat qui vous avait tant plu. Les prairies de Kelbas. Non, non, ça, c'est la zone. Ah oui, donc il y aura des Zarbagadol et des Zarba. Voilà. Alors, voilà. Et d'ailleurs, dans les menus, t'as pas quelque chose d'intéressant, toi? On vous remercie. Ça, c'est les petits contrats de chasse, là, pour le coup. Dans les menus, est-ce que t'as pas un truc qu'on n'a pas? Célèbre pour ses plats très épicés. Est-ce qu'on a ça? Vas-y, bouffe ça. C'est bon, reposez-vous un moment. Je viens de dépenser de la thune, je suis sûr bon pour appétit. Rien. Non! Oh putain! Oh! Si, c'est bon, j'ai bien fait. Oh là là! Le bâtard, quoi. Il a réussi à me foutre un coup de frayeur. Vous me quittez déjà? Revenez quand vous voulez. Putain, je pensais qu'il allait me... C'est bon. Tout l'XP que j'avais gagné, il allait me faire accumuler. Putain, j'ai eu trop peur. Non! Pourquoi j'ai fait ça? Poivron mariné, man. C'est là mon poivron, je sais pas quoi. De toute façon, ça va faire un nouveau plat. Je pense pas, mais... Ouais. Oh là là. Je me suis fait peur tout seul. Bref, petite ellipse, je vous retrouve du coup au prochain contrat de chasse, à tout de suite. Ok, on est arrivé. Et ça m'a l'air gros, putain. Normal que c'est gros, ouais. On a déjà affronté, mais bon, je sais pas, il me paraissait vachement gros. Ça va aller vite, normalement. J'ai bien dit normalement.
En fait, ceux-là ils sont plutôt petits par rapport au. Ouais. Au gros, gros, gros. Pour le coup. Ok, au toto, désolé. Parade, putain, on voit rien. On ne voit rien. L'échec n'est pas une option, non. Oui, je sais. Je sais d'ailleurs. Attendez, juste compétence. Si je vais dans. Commande. Ignis, tu es à. Oh, non, tu es en bas. Oui. Attendez. Ah putain, faut que j'éternue sa mère. Ah. Ça va passer tout seul. Et c'est super frustrant quand ça passe tout seul. Alors ça c'est quoi? Permet d'augmenter la jauge de commande à chaque fois que Noctis subit des dégâts. Accélère l'augmentation de la jauge de commande. Est-ce que... Ouais allez. Je vais pas prendre nos trucs dans les caractéristiques, je vais prendre les commandes. Je vais prendre dernière commande, donc maintenant on a tout à fond. Par contre j'ai peur que ça soit comme, comme Prompto et Gladio, genre que ça soit les trucs super longs là. Mais à mon avis ça va être ça. Du coup, bah, il ne reste que les trucs chers. Celui-là c'est pas trop cher, ça va encore. Mais là c'est des trucs... c'est pas des trucs très importants. Enfin les commandes on a tout. D'ailleurs j'ai des nouvelles commandes que j'ai pas testées avec... avec Prompto et Gladio. Ça c'est quoi, j'ai même pas lu. Récupération, permet à Prompto de regagner un peu de PV quand ils sont bas. Permet à Prompto de regagner les PV quand ils sont bas, ok. Petit truc, ok, la magie. Ouais, ok, bon. On verra ça en temps voulu, monstre. Ça c'est quoi? Loisir. Ah oui, ok. 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 Attendez. Non, ça c'est de la merde par contre ça. Non. J'ai pas un truc qui me donne des points de compétence si je pêche. Je crois que j'ai déjà, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Hop, on est reparti du coup. Bah d'ailleurs, en parlant de tout ça, Ignis, toi, t'es bientôt fini, je pense. Et toi, normalement... Ça tu l'avais pas je crois. Il me semble qu'on a eu, on l'a eu dans le DLC je crois. Putain, il y a du taf à faire encore pour eux. Gladio il te reste plus que ça. Mais pour Prompto ouais il en reste encore un peu à faire hein. Il en reste encore quelques-unes à faire. Bon faut dire aussi c'est pas le truc que j'utilise le plus souvent hein, parce que son attaque elle est un peu chiante hein. On est clairement d'accord avec ça. Hop par. Ça a bugué, enfin ça a pas bugué, je sais pas si ça a bugué mais genre j'ai paré dans le vent je crois. Hop, alors toi t'es quasiment mort. Hop. C'est... Ça va être bon. Hey, transforme-toi là. Il sait pas trop... Mais quoi? J'arrivais plus à bouger, je me fais enculer dans tous les côtés. Allez, on va au moins en tuer un gros. On va tuer petit dans ce cas, mais... Oh là, Noctis il attaque vraiment ce qu'il veut, hein. C'est un truc de ouf. Je vise rien, genre je reste sur le même et puis il change de cible. Putain, je sais pas. Je sais pas comment on fait pour faire les combos à chaque fois. Parce que des fois ça les fait, des fois ça les fait pas. Bref. C'est bon, Noctis, c'est bon, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont morts. Alors attendez, il y a un ingrédient ici. On est vivant. Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça. Bon, moi je sais pas. Ok bon, Ignis s'en fout apparemment de ces trucs. Du coup bah, je vous refais une ellipse, hein, je vous retrouve à l'Estaloum encore une fois. Il nous en reste 3 je crois. Ouais, bon bah je vous dis à tout de suite. Ok, on est arrivé. Salutations. Bonjour. Ça va, il m'a pas agressé cette fois-ci. Merci pour nous. Ok, emblème de foudre. Du coup bah il nous en reste 2 ou 3, je me souviens même plus. Normalement 3, je crois que j'en ai fait que 2. J'avais dit qu'il y en avait 5, je sais plus. Je suis perdu. Ouais, il en reste encore 3. Ok, bon, on enchaîne. On fait le... Oh non. J'apprécie. Il y en a combien? Il y en a combien? Depuis peu, les créatures et les démons augmentent. Et bon. Se déchaînent autour de la ville. Il y en a 3. Voilà, ça devrait aller, j'espère. J'ai pas envie de les faire. Bon. Bon bah je vous fais une petite île, je vous retrouve du coup là-bas tout de suite. Ok, on est arrivé pour ces fameuses abeilles qu'on va apprécier. Vas-y, on est tu vite, on en parle plus.
ça commence. Ça commence. Ok, on les met mal, Hop, 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 hop. Si on peut, on va faire le truc de prompto parce que ça a l'air de leur faire assez mal. Enfin, ces balles ont l'air de leur faire assez mal. Bon, bien sûr, faut que j'arrive à charger 3 barres. Je sais pas si je vais pouvoir, comme ils ont pas l'air très résistantes. Hop, j'ai plus de PM. Non, ça passait pas TP. Hop. Je crois qu'il y a des soldats sur la route. J'ai vu une machine s'envoler. Bref. Hop. Oh là, je t'ai fait un petit salto arrière. Parade. Ok. Prompto. C'est pas le petit Kiki. Pour t'agacher de facile. Pou. Raté. Tu sais pas viser prompto. C'est n'importe quoi. Allez hop, en liaison. Et on n'en parle plus. T'aimes pas les insectes toi non plus? Moi? Grave, ça me dégoûte. Moi aussi. Bleh. Je suis pas fan non plus. Je dirais pas que j'en ai peur. J'ai peur des araignées. Mais les insectes, non, ça me fait pas spécialement peur, mais j'aime pas spécialement ça non plus quoi. J'irai pas les mettre dans mes mains quoi. J'entends un moteur Magitech. Ouais, bah, c'est pas celui qui a atterri tout à l'heure là? Oh, attendez. Ça fera de l'XP. On va voir ce qu'il y a dedans. Des soldats. Allez, ça fait longtemps qu'on l'a pas affronté. Faisons un peu de nettoyage, très bien. Oh, mais ils sont tout nuls. Regardez. Non mais, oh, hey, vous savez me lâcher. Je peux, merci, je peux m'en aller. Regardez, je vous fais. Hop. Hop. Hop, voilà, j'en ai tué 4. Oh là là, il me saoule à me avoir dans le dos comme ça. Putain, j'ai même pas le temps de les finir. C'est pas de finir le... De spammer cercle. Bon, ils sont un peu nuls et ils vont me donner 0 points d'XP en plus. Voilà, 400 points d'XP, si merde. C'était très utile de rester. Bon, c'est pas grave, je vous fais une petite idée, je vous retrouve à Estaloum. Et il ne reste plus que 2 contrats de chasse et après, on fera un dédale. Enfin, au prochain épisode, quoi. Ok, on est arrivé. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu répétitif du coup. On arrête pas de faire des allers-retours et tout, donc c'est un peu répétitif, mais bon. Encore vous ? Les contrats de chasse, j'ai envie de les faire avec vous, et puis de toute façon, je fais des ellipses entre chaque contrat de chasse, du coup, vous perdez un peu moins de temps. Mais ouais, je suis désolé si c'est un peu répétitif. Mais bon, faut bien les faire. De toute façon, à partir du moment où on a fini le jeu, ça allait forcément être répétitif ce qu'on allait faire, parce que c'était. Encore, je vous épargne la pêche. La pêche, je la ferai de mon côté. Bah, je pense que après toutes mes sessions là de vidéo là, parce que je crois que c'est ma 4e aujourd'hui ou ma 5e, je sais plus. J'irai sûrement farmer un petit peu. Alors, soit j'irai faire des mini-jeux de ton monstro, soit j'irai pêcher un petit peu. Ou alors, je ferai les plats d'Ignis. Mais bon, les plats d'Ignis, on en a combien? On a 60, je crois, c'est ça. Ouais, 59. Donc c'est ce que j'ai le plus. Donc je pense que j'irai plutôt pêcher. Les recettes, je verrai plus tard. Bref, du coup, je vous refais une petite ellipse. Je vous retrouve au prochain qui est où? Qui est là-bas? Ah non. C'est où? Non, c'est dans le donjon, putain. Ah non, j'ai pas envie. Je déteste quand les contrats de chasse sont dans les donjons. Bref, c'est pas grave, je vous finis, je vous retrouve là-bas tout de suite. Ok, on est arrivé. Il va falloir tout remonter, à moins que... Ah oui, on peut retourner à l'entrée, nice. Je vais pas avoir besoin de tout remonter. C'est plutôt cool. Ok, alors... Ah, c'est sacré monstre en fait. Je pensais que ça allait être un truc tout pété là. Mais non, il y a les mini araignées. J'aime pas les araignées, vous le savez ça. Ah ouais, non, par contre, ça c'est salaud. Ça c'est salaud, Noctis, tu m'as vraiment fait de la merde. Pour le coup, tu as vraiment fait de la grosse merde. Le mec il m'a quitté le combat, du coup je suis plus sous armes fantômes. C'est abusé. C'est abusé. On défonce la grosse là. Hop. Ouais, on l'a mis moitié de vie quasiment.
On lui a mis bien tarif là. Ça t'apprendra à me faire quitter le combat. Même si techniquement c'est plus la faute de Noctis que toi, mais. Hop. Le problème c'est que quand je suis en arme fantôme, je spam. Enfin, je reste pas bon. Je reste appuyé sur rond et après Noctis il esquive quoi en fait. Parce que des fois j'aurais beau regarder un ennemi, s'il est concentré sur un autre, il me fait niquer quoi. Enfin bon. De toute façon, toi t'es morte et toi t'es morte aussi. Voilà. Les doigts dans le nez. Garder mes distances. Tu m'étonnes, je préférerais même pas regarder. Oh, arrêtez de faire vos chuchotes. C'était des sacrées araignées quand même, hein. On fait pas trop nos chuchotes, c'est juste que c'est des grosses araignées, point barre. Bref, petit thé, je vous retrouve du coup à l'Estalou, mais on fera le dernier contrat de chasse et on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc à tout de suite. Ok, on arrive enfin. Faut que je vous raconte, j'ai réussi à faire un game over en m'envolant avec la Regalia, pourquoi ? En gros, j'avais une astuce qui était de... Allez, je vais parler à lui. J'avais une astuce qui était de... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux plus planer. Parce que t'es trop proche de l'Estalou. Et du coup, pour allonger la distance de mon vol, parce que quand tu voles, tu vas plus vite, je me mettais à atterrir, mais le plus haut possible. Puis après, je planais, mais du coup, j'allais plus vite. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je sais pas pourquoi ça m'a fait un game over en plein milieu, alors que j'aime rien toucher. Genre, j'avais ma régalée, elle a pas explosé, ni quoi que ce soit. Et ça m'a mis game over, donc j'ai pas compris. du coup, bah j'ai dû me retaper le contrat de chasse parce que la dernière sauvegarde c'était quand je m'étais garé à l'aire de repos. Montrez-nous. Du coup, je suis déception. Du coup, j'ai dû tout me retaper et tout, c'était bien chiant. Faut aller à la centrale, donc je vais pas faire d'ellipse. Du coup, j'étais au bout de ma vie, ça m'a saoulé de ouf, j'ai dû Non. C'est bon. J'ai dû redescendre dans le donjon puis ressortir Forest. Ça me souvient. Donc si j'ai plus les mêmes nombres de points de compétences et que ma charge de fantôme est plus pareille, c'est tout à fait normal. C'est que le combat je l'ai abordé différemment. Enfin bon, on va faire le dernier contrat de chasse. On va se là pour cet épisode. Moi je vais faire une petite pause et derrière j'enchaînerai avec le dédale. Et voilà. Et je pense que on pourra. Attendez. J'ai deux dédales. Alors, je suis peut-être un peu optimiste. Alors, niveau 65. Donc celui-là, il y a un campement. Donc ça va aller vite. Et celui-là, le 72, il y a deux campements. Alors, je suis peut-être optimiste. Mais je vais essayer de faire les deux. Oui, ça me paraît beaucoup. En fait, tout simplement parce que si je fais un dédale, enfin, ça va être. Je pense que l'ascenseur va enfin servir du coup. Parce que faire un dédale et que ça prenne 20 minutes, une demi-heure, ça me fait un peu chier d'après refaire des contrats de chasse. En fait, j'avais marre des contrats de chasse aujourd'hui. Oh, nice! Du coup, ça sert quand même à quelque chose de venir ici. Bon, je vais t'allumer, je suis désolé. Je m'excuse de te défoncer comme ça, mais bon. T'es un méchant. Donc tu crèves. Oula. J'ai raté ma garde. Hop, parade. Ah, quoi? Ça se fait pas. Non, c'est moi qu'il faut que tu tapes. Sinon, je peux pas te parer. Je parais là, abuse pas. Attention. Parade. Mais, what? Mais je pars tout bien là, non? Je sais pas. Je ne sais pas. Hop, les ions ça dégage. Comment on le bourrine? Des gros bourrins. Hop, gâchette facile. J'aurais pas fait faire le truc d'Ignis, mais bon. Je vous dis, faut augmenter ce truc de merde. Donc on augmente ce truc de merde. Et boum! Bam! Ça va, il était pas trop compliqué pour le coup celui-là. De toute façon, on en avait déjà affronté un qui était plus fort que ça. Je crois qu'il était level 65. Il me semble que c'était un donjon qu'on avait fait. Hop, ça s'est fait. C'était le cas. Ah oui, c'était les mines. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était là.
Ouais, c'était ça, on avait fait les mines de Balouvre. Et il y avait ce monstre-là. Enfin, je crois, hein, et c'était les level 65, il me semble. Enfin, approximativement. Un matelas dans une chambre, c'est tout ce que je veux. Pareil pour moi. Gladio, pas de camping ce soir, merci. T'inquiète pas. Ok, bah, du coup, je vais vous faire une petite idée. Je vais vous retrouver à la baie de Galdina. Je me suis souvenu du nom. Pour aller dormir et on s'attrape. Enfin, on va valider notre contrat de chasse et on va dormir comme ça, on se mettra plutôt bien. Oui, je veux sortir, donc je vous dis. Je fais une petite idée, je vous dis à tout de suite. Ok, nous sommes arrivés. Du coup, parlons à la madame. Eh, hey, quelle performance! Je sais. Hop, un mine d'argent. Ok, il nous manque que 7 petites étoiles et on sera bon. On sera grade 7. Toujours rien, je suppose. Toujours rien. Et juste d'être les petits menus. Oh, je pense qu'Ignis, il a un de ses plats. Enfin, il y a un des plats qu'il n'a pas. Il y a moyen, je Merci pense qu'il y a moyen. Bref, allons dormir, on va avoir plein d'XP. Vous allez voir, ça va être cool. Bienvenue. Se reposer, en plus on a tellement de guild avec les contrats de chasse que on peut se le permettre. Quatre jours d'affilée. J'ai quasiment à 2 heures de vidéo les gens. Et boum, level 76. J'ai pris 4 levels. C'est pas ouf, mais j'ai pris 4 levels. Et j'ai que 10 photos, c'est pas ouf non plus. Mais j'ai pris 4 levels. Eh, c'est Prompto. Prompto s'est pris en photo. C'est moi qui ai avec l'appareil photo techniquement, parce que j'étais pas dessus. Ouh, un joli sapin. Ah, la machine qui m'a défoncé la gueule. Ça, ouais, ok, c'est le truc de merde. Là, j'ai dû y retourner 2 fois, génial. Ouais. Toujours la classe internationale. Pas la peine d'en faire une histoire. Ok. On est level 76. Ça fait plaisir. Bon bah il nous manque 24 levels et on se... ah bah non, 23. Parce que le level max c'est pas 100, c'est 99. Enfin je crois. Enfin bon, voili voilou pour cet épisode. Il a été fort long pour moi. Pour vous il va... Enfin, il va durer un certain temps quand même. Parce que j'ai fait quoi au début? J'ai fait la quête de Randolph. D'ailleurs c'est 85 je crois maintenant, ouais. J'ai fait la quête de Randolph et voilà, ouais. J'ai fait la quête de Randolph et que des contrats de chasse. Ouais putain j'ai vraiment brûlé les contrats de chasse, d'ailleurs on est à 79 ou 80 contrats de chasse, non 69 ou 70 contrats de chasse. Du coup il nous en reste bah, 12 ou 13, voilà, à faire. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, à laisser les commentaires. Du coup prochain épisode on s'occupera d'au moins un des dalles, peut-être un deuxième, on verra si on a le temps. Je verrai combien de temps ça nous a pris. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut.